Là, on est à Bruxelles. Donc forcément, qui dit Bruxelles dit passage obligatoire par le module alambic. Et donc là, on est justement au module alambic original. Donc le tout premier des modules alambics, pas le deuxième qui a été créé, qui est il y a énormément de monde qui est dans le centre-ville. Là, on est au sud de la ville, dans l'ancien module alambic, qui est un endroit très très particulier. Et donc, je vais vous faire une petite beer review, parce que j'ai l'occasion de goûter une bière suisse, une bière de l'abbaye, une bière de la brasserie Franche-Montagne, qui est bon, une brasserie qui fait des bières qui sont, autant se le dire, qui sont pas du tout consensuelles et qui sont vraiment dans très originaux. Généralement, ils aiment bien faire des bières, notamment qui sont vieillies en barrique. Donc là, en l'occurrence, on a la cuvée, Alex le Rouge, donc, qui est un stout, mais qui a été vieilli en plus de 20. Donc on a une petite acidité. Enfin, on va goûter. Déjà, il y a un côté très boisé qui se dégage, avec une bonne petite amertume aussi, et puis un petit côté de vanille. Puis on est également aussi sur tout ce qui était tout le côté un peu fruit rouge, hein, donc le côté peut-être le raisin même, justement, raisin noir. Par contre, ça sent pas du tout le café, évidemment. Okay. Déjà au niveau de la texture, on est sur un truc qui attaque bien le palais, assez liquoreux, mais en même temps ça pétille et puis en fait point à bouche ça pétille, ça roule bien dans la bouche, c'est un peu pétillant. Ensuite ça colle et ça reste vachement longtemps sur le palais avec une bonne amertume. On a tous les arômes, très peu de café, on a quand même beaucoup d'arômes de boisé, le côté ligneux qui reste sur le palais. Et puis après on finit sur des petits côtés de pruneau, tout ça, mais on sent vraiment pas trop le café quoi. En tout cas, ce qui est hyper surprenant, c'est qu'on a 11 degrés et qu'on sent rien du tout. C'est franchement un truc de fou cette bière, tout simplement. Puis elle a un petit côté noir, mais qui tire vers le marron. Enfin, on n'est pas sur un côté noir épais, des petites bulles. On voit qu'elle est hyper effervescente. Du coup, ça claque bien. Mais il y a plein de bouche quoi, c'est le côté claquant, et puis après il y a le côté un peu liquoreux, tout ça, et puis ça perdure, ça reste longtemps sur le palais, sur ce côté. Et vachement le côté barrique, hein. On est sur le côté, un truc vachement sur la barrique. Mais l'acidité qui est assez légère, pas trop marquée, permet d'avoir une bière hyper légère. Donc voilà pour cette petite bière au mode alambic, et puis bientôt pour de nouvelles dégustations. Ciao! Révolution.